Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le sac de couchage Spark -1 de Sea to Summit. Donc c'est une nouvelle version du Spark, il y a eu deux modifications que je vais vous expliquer tout à l'heure. Gros avantage de ce sac, et bien déjà vous le voyez, c'est tout petit, là je l'ai comprimé au maximum hein, je pense. C'est tout petit, c'est très léger pour un sac qui est quand même chaud puisqu'on est sur du +4 -1. Donc c'est vraiment une solution haut de gamme certes, mais qui vous permet de randonner très léger en ayant un bon niveau de confort. Côté poids, il est annoncé, je crois, par la marque à un peu moins de 500 grammes. Moi, je l'ai pesé avec sa housse à 580 grammes. Alors, c'est peut-être pas 10 grammes près, mais voilà, ça reste un sac qui est très très léger par rapport aux performances de confort thermique. Alors, le secret de ces performances, c'est un duvet haut de gamme. On est sur un duvet 850 QIN, donc c'est un niveau de gonflant qui est exceptionnel. Qui en plus est traité hydrophobe, donc ça va aussi contribuer à préserver son gonflant. Donc un très bon niveau de confort. Un nylon 10D, c'est un nylon qui est du coup est léger, qui est très doux, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Donc je pense qu'entre la légèreté ressentie et la douceur, c'est un duvet qui est très agréable pour dormir. Ensuite, on a une capuche rembourrée, évidemment, qui avec un point de serrage ici. Alors la nouveauté, c'est qu'elle aurait été apparemment augmentée un peu en profondeur. Et ensuite, on va retrouver un zip qui est un demi-zip, c'est-à-dire que pour gagner du poids, il s'arrête au niveau des fesses à peu près. Un demi-zip avec une double ouverture par le haut et par le bas si besoin, donc on peut créer une ventilation si besoin, sachant qu'en haut on a aussi un petit clip pour si on veut éventuellement ouvrir et garder juste quand même le haut fermé. Une des nouveautés aussi de cette nouvelle version, c'est qu'ils ont mis un système anti-coincement. Ça c'est appréciable parce que c'est vrai que des fois les sacs de couchage, quand on ouvre la nuit et qu'on coince le zip, c'est toujours un peu agaçant. Donc là, le système anti-coincement a l'air vraiment bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, on a donc toujours cette construction chez Sea to Summit, là où on a des boudins verticaux sur la partie torse et des boudins horizontaux en bas pour garantir une répartition uniforme du duvet. Et on a un caisson pour les pieds de façon à conserver un volume correct au niveau des pieds. Voilà, donc tout a été optimisé pour qu'on ait... Vous voyez le gonflant que ça prend, c'est quand même assez bluffant. Donc tout a été conçu pour avoir le poids le plus léger possible tout en ayant un bon niveau de confort thermique. Alors en résumé, on est sur un sac haut de gamme, mais qui va permettre de randonner très léger pour bivouaquer en montagne, sous tente, l'été. C'est impeccable, les performances thermiques sont suffisantes et on a quelque chose qui est hyper léger, très compact et très agréable également d'utilisation. Voilà, donc vous le retrouvez sur rayonrando.com.